Les femmes, tout au long de l'histoire de la Scala, depuis la Belle Époque et jusqu'à nos jours, ont tenu ici les premiers rôles. Je suis Mélanie Biessy, présidente de la Scala Paris. La première Scala a été bâtie par une femme, puis de nombreuses femmes ont dirigé ce lieu magnifique et j'ai repris le flambeau. Lorsqu'il s'est agi de construire la Scala Paris, Frédéric et moi-même avons décidé d'associer à la conception architecturale du lieu et à la conception artistique celles et ceux que nous aimions et que nous voulions voir ici dans ces murs. Nous avons échangé avec des comédiennes, Ariane Ascaride, Catherine Fraud, Isabelle Huppert, avec des metteuses en scène, Pauline Bell, Masha Makayev, Claudia Stavisky, des chorégraphes, Chantala Shivalingappa et Kaori Ito, des musiciennes, les sœurs Labeck, Marie Kodama, Momo Kodama, des plasticiennes, Annette Messager, Elika et Dayat, pour imaginer une boîte à jouer où elles pourraient s'épanouir et nous prendre du plaisir à les accompagner. Notre saison en cours est emblématique de ces associations fructueuses. Claudia Stavisky a mis en scène avec succès et brio son Galilée. Raphaël Lanader a porté les mots d'une de nos plus grandes compositrices et interprètes française, Barbara. Kaori Ito a enchanté nos minuets chauds. Isabelle Adjani et Laure Calami ont lu avec force le beau texte de Cynthia Fleury, La fin du courage. En ce moment, trois jeunes comédiennes et trois plus aguerries donnent la réplique à Alexis Michalik dans une histoire d'amour. On y parle de PMA, mais ce n'est pas un sujet de débat, c'est la normalité. Nous achèverons notre deuxième saison musicale avec le festival Présence Féminine, l'occasion de redire très haut, même si elles sont beaucoup trop rares, qu'il existe des compositrices, qu'elles appartiennent au répertoire, comme Marie-Jaëlle, ou qu'elles composent aujourd'hui, comme Camille Pépin ou Edith Cana-de-Chizy, première compositrice élue à l'Institut de France. Il ne s'agit pas pour moi d'instaurer des quotas de femmes artistes à la Scala Paris, mais dire à chaque fois que c'est possible que nos foyers, nos plateaux, nos coursives sont ouverts aux meilleurs artistes de la création contemporaine. À ce chapitre, les femmes tiennent aujourd'hui les premiers rôles.